Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de combat Pokémon. Donc voilà, désolé si la vidéo est un peu de mauvaise qualité. Je fais du mieux que je peux. Parce que pour l'instant, ça veut pas. Ça fait 3 fois que j'essaie de faire cette vidéo et j'ai trouvé que cette technique pour le faire. Donc vous verrez les deux écrans à l'avenir. Donc voilà. Je vous mets pas le son parce que voilà. Pour l'instant, le son. Je le mets pas pour aujourd'hui. Je le mettrai quand je pourrai une autre fois. Et ben, ça a l'air de marcher mieux comme ça. Voilà. Il faut que je tienne pendant tout le long du combat. Voilà. Oh, quoi que je dis que c'est de mauvaise qualité, de cette manière-là, c'est d'une très bonne qualité même. Maintenant que j'ai trouvé comment faire. Oula. Est-ce que je trouve le moyen de caler mon pouce parce que c'est un peu désagréable. Parce que je peux pas le caler sur l'écran, que ça risque de tout faire planter. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Si l'image floute un peu, c'est normal, c'est que c'est moi qui bouge. J'essaie de le faire le moins souvent, mais et voilà. C'est un peu difficile. Je trouve déjà que c'est une super bonne qualité là que j'ai. J'essaie de vous montrer l'écran entier. C'est la première fois que je fais. Enfin, c'est la troisième fois que j'essaie de filmer avec cette caméra, mais c'est la première fois que je fais une vidéo. Pour ma chaîne YouTube avec cette caméra-là. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc, comme vous pouvez le voir, Sol a gagné. Là, c'est bien, j'attaque dans l'ordre. Donc, que tout à l'heure, j'avais attaqué. Désolé si vous voyez des doigts en plein milieu d'écran. C'est que je suis en train de vous régler la vidéo. Parce que je n'ai pas de stylet, j'ai perdu mon stylet. Donc voilà. Ben c'est pas trop mal comme ça. Faisais ce que je fasse attention de pas mettre toujours les doigts en plein milieu de l'écran. Désolé, j'ai bougé. Là, j'ai tenté ouais, une onde originelle et ça a pas marché. Et je me suis fait du coup empoisonner. C'est bien au moment où j'en ai besoin. Ça m'empoisonne, je l'échoue. Voilà, et maintenant que j'en ai plus besoin, ça arrive. Fallait le faire avant, j'aurais fait plus de dégâts. Alors du coup là il nous envoie son Kangourex qui méga évolue.
Et vous allez voir qu'il sera bien pénible. Ah, mais j'y crois pas, le peu de dégâts que je lui ai fait. Voilà. J'espère que les petits traits que vous voyez, ça vous dérange pas. Ça, malheureusement, je pourrais pas les enlever. Moi, de faire comme ça, si, peut-être. Pas trop, d'ailleurs. Toute manière, le principal, c'est que vous voyez très bien les Pokémon. Bon, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, j'ai perdu. Enfin, ouais, j'ai perdu ce combat. Alors, maintenant, on va faire celui-là. Voilà. Et ça fait déjà 6 minutes de vidéo. Alors, vous allez voir à quel point Mewtwo Shiny peut être puissant. Et quand je pense qu'il l'a gaspillé pour aller au concours. Comme je me fais massacrer. Adieu. Là, je me suis dit, j'aurais peut-être mieux fait de mettre lui dès le premier tour. Parce que ça m'aurait économisé des pokés. Encore un beau Kyogre Shiny. Je trouve que les Pokémon roses sont les plus beaux. Après, moi, je sais pas, c'est mes goûts. Là, c'était une équipe full légendaire. Alors, autant vous dire que j'ai pris cher. Bon. Et ben voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai perdu. Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première vidéo combat Pokémon Wi-Fi que je fais avec cet appareil. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, ciao!